aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face caméra, comme ça un petit peu posée, tranquille. On a décidé avec les filles, en fait, après avoir vu la vidéo de notre DJ national, de vous faire aussi le challenge Lint. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le challenge Lint? Eh bien c'est ceci. Voilà, 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 voilà. En fait, je suis allée ce matin chercher dans la gamme comme ça de Lint. Combien j'en ai pris? 9, je crois. 2, 4, 6, 8, 9. Je suis allée chercher 9 voilà, tablettes de chocolat. Alors, il y en a au nougat, il y en a la crème brûlée, il y a le rocher au lait, praline feuilletée, à la framboise, on a la menthe, on a à la pistache, au citron, et pour terminer... on a le caramel. Et en fait, on va se bander les yeux et on va se faire goûter chacun notre tour le chocolat. Et il va falloir qu'on devine. En fait, on peut goûter une fois, dire un truc, et on a une deuxième chance. Et après, c'est fini. On s'est trompé, on s'est trompé, on a zéro. Donc du coup, voilà, on va se bander les yeux. Je vais attaquer avec Alison. Bon, allez, c'est parti. Du coup, Alison, elle commence à me faire goûter un. Je vais avoir le make-up, il va être complètement dévarié avec ça. J'ai fermé les yeux dessous parce que sinon, ce n'est pas la peine. Bon, on va ouvrir. C'est citron? Oui. Ah ouais, c'est fort citronné. Hein. Moi qui mange plus de sucre depuis presque un mois. Là, je vais faire mon ma razzia de sucre. Là. Alors, pour Alison, on va y faire goûter ça. Ils sont bien moltonnés. Tiens. Elle est où? Alors? T'as un rocher la crème, non? Non. Alors? Je le sens pas. C'est moi qui vais gagner le point. Caramel beurre salé là? Non, il n'y en a pas au caramel beurre salé. Crème brûlée, toi tu parles. Ah, voilà, crème brûlée. Non, c'est pas crème brûlée. Tant pis, c'était au nougat. Donc du coup, c'est moi qui ai le premier point. Moi j'ai un point, et Alison elle a zéro. Bon, du coup, on a changé d'angle parce qu'avec le contre-jour derrière, du coup, c'était un petit peu la misère au niveau des cadrages. C'était un petit peu tout flou. Donc on continue maintenant, c'est Charlie qui va m'en faire goûter un. Et moi, je vais y en faire goûter un aussi. Ah, framboise. Ouais. Mais moi, ah ouais. Il n'y a que des petits grains. Du coup, ouais. Je ne sais pas si elle a avant. Mais si, si, ça sent bien le goût. Eh, j'ai des papilles, hein. Ouais. Je vais faire dégustatrice. On va faire goûter ça pour Shirley. Je vais garder un coup dans la bouche. Ça a la menthe. Ça a la menthe. Elle a gagné direct. Mais bon, c'est vrai que c'est des saveurs. C'est des saveurs qu'on sent bien. Donc, du coup, à elle, on va y faire goûter. Ça a la framboise. Elle a gagné. Ah, oh, j'ai un chocolat à voir. Pour ça, avec la framboise, ça donne de l'acidité, c'est bon. Alors. J'hésite entre nougat. Non. Ou rocher, non? Au rocher. Mmh. T'as gagné. Allez, on va lui faire goûter celui-ci à Charlie. J'ai toujours pas compris comment ça s'ouvrait parce qu'apparemment il y a un petit truc là. Mmh. Donc il faut enlever. Ah, c'est une ouverture facile. Tiens. T'as dit quoi? Pistache. Ouais. Il y a le ouais. Goût d'un coup qui arrive à la fin. À la fin. C'est vrai? Pas très... C'est pas très... Non, pas très... Alors, on va y faire goûter. Ok. Mmh.
commence un peu à fondre doucement. En fait, c'est la framboise de la tête. Oh my god. Mmh. Par déduction, du coup, le nougat. Ouais. Ouais. Parce que du coup, c'est un peu croquant, des... le rocher aussi. Et tu l'as déjà vu. Mais ça n'a pas le goût. T'as vu? Mais c'est bon. Extra quand même. Du nougat. Hein. Ça se ressemble vachement avec le rocher, je trouve. Ouais. Allez, de retour avec Alison. On va ouvrir. Là. Citron. Citron. Peut-être si tu le reconnais celui-là, ça prend vraiment la cible dans la bouche. Il fallait être praliné. Non. 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 Crème brûlée. Ouais. On le sent bien après. C'est vrai. Mais c'est hyper croustillant, comme s'il y avait y a des morceaux de le caramel, tu sais, oui, de la crème brûlée dessus. Il est dedans. Mmh. Ah ouais, c'est hyper bon là. Allez, c'est reparti. Purée, mais quelle idée de faire ça avec cette chaleur. Vas-y. Tiens. Non, pas non. Là. Citron. Elle a même pas croqué. Le citron, mais je crois que même là sous le nez, on le sent direct. Elle a à peine croqué. C'est vraiment citron. Ah ouais, ça a fort fort le goût de citron. Ouais. Allez, au suivant. Le caramel. Ouais. Ah ouais, là. Quand tu tires, il y a le caramel. Non, mais à peine j'ai posé le bout sur ma langue, j'ai senti direct, quoi. Caramel, impressionnant. Ah ouais. Trop bien, caramel. Mmh, c'est bon. Ah, il y a Théa qui te fait des bisous, en fait. C'est vrai, t'as fait quoi? Je l'ai vu tout à l'heure, elle m'a pris mon numéro parce qu'elle veut t'inviter à son anniversaire. Oh oui, une heure plus tard. J'ai dit bon ça à l'instant. On va lui faire goûter ça. Tiens ma chérie. Ouh, attention. C'est la menthe, elle a gagné. Faut savoir qu'Alison, elle aime pas la menthe. Elle n'arrive même pas à se brosser les dents avec un dentifrice à la menthe. On est obligé de lui prendre toujours les trucs pour enfants, même si je sais que c'est pas génial. Mais elle ne supporte pas la menthe. C'est, je sais pas, ni les chewing-gums, ni rien. Dès qu'il y a de la menthe, c'est une catastrophe. Allez, ça va. Ça y est, on a fini. Allez. Au suivant. Oh, pardon. Ah, c'est pas grave. Désolée. Il fait trop chaud derrière ce truc. Même derrière. Hein? Oh, la menthe. Ah, je me suis vengée. Ah. Moi j'aime bien ça. Mmh. Non, je voulais me venger. Ah, c'est tellement bon. Non, moi ça me fait penser au After Eight. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire goûter à celle-là? Hop, ça va, madame. Il y a que ce que j'aime dedans, presque. Ah, mais vas-y, croque quand même, un bon bout. Hein. La meuf elle goûte un millimètre. Attends. Nougat. Non. Roche. Non. Tu t'es loupé! Pas de poids! Mais c'est trop bon, cette crème brûlée! Hop! Eh, j'aurais fait un sans faute! Il n'y en a pas un seul que j'ai pas su! C'est qu'il y a du palais là-dedans, hein! Beaucoup! J'arrive pas à me frapper! Oh! T'es fondu? Eh ouais! C'est la misère! Ouais. Même temps, il doit faire un peu 40 degrés dans la maison. C'est moi qui fais la même. J'ai peur quand tu me dis ça. Le feuilleté là. On sent qu'on coupe les feuilles. Tu sais, les petits gâteaux que je mets à l'intérieur des gâteaux là. Alors, qu'est-ce qu'on va y goûter? Hop. Tiens. Alors, c'est quoi? Caramel beurre salé? Non, il n'y a pas de caramel beurre salé. Ah non, mais comment? Attends, il y a
crème brûlée. Voilà, crème brûlée. Rocher. Ouais, crème brûlée. C'est mon préféré, moi. C'est bon. Il est bon. Oh my gosh. Ben toi, t'as plus que la pistache. Je vais le goûter comme ça, ça sert à rien de mettre le bandage. Je sais que c'est la pistache. Ouais, maintenant, je vais faire avec Tyson. Je sais que c'est la pistache qui reste. Donc on va juste tout goûter. Mm-hmm. Oh oui. Dégueulasse. Moi j'aime pas. Non mais bon, ça les on sent vraiment bien la pistache. Ah oui, direct. J'ai fait un sans faute. Je les ai tous trouvés. Y a rien là. Bon, je vais aller me laver les mains. Et on va se retrouver avec Alison et Charlie qui vont se le faire entre elles. Pour finir les goûts qu'elles n'ont pas goûté, parce que moi du coup j'ai tout mangé, on a alterné à chaque fois et que j'ai toujours été là. Donc on va les laisser finir. Moi je me lave les mains et je me mets juste derrière. Alors bon. Ouais. Allez, c'est reparti. Ouais. Alors alors. Alors alors. Ouais. Vas-y, ouvre la bouche. Ah. Caramel. T'as vu? Direct, on sent que ça a à peine mis ma langue dessus, c'est le caramel. Mmh. Mais j'ai rien dit, dessus. C'est pas roche. Non. Alors, c'est l'autre alors. C'est quoi? Mmh. Feuilleté. Ouais. Elle est après. Ouais. Feuilleté, caramel. Enfin, regardez bien. Il a bien le goût du feuilleté. Mmh. Allez. C'est trop gros sinon. Je sais pas si tu auras bien le goût avec le peu que t'as fait. Oh, c'est pistache. Oh, my God. Non, t'as direct trouvé. C'est sur vous la main en plus. Comment que c'est petit, qu'il a balayé comme un médiocre. Je vais aller prendre ça. Allez, on fait ça. Elle a coûté aussi. Ah, ouais. Ouvre la bouche. Tout. Non, arrête. Caramel. Mmh. Et je t'ai entendu dire oh non. Mais caramel, le truc qui coule. Il n'y a plus le goût du caramel du chocolat. T'as vu? Ça a fort le goût de caramel. Oh, la piscine. Trop pété là. Ouais. Il n'y a que le goût. Ah ouais, ouais, t'as vu? Direct. Le goût et la texture, le truc craque. Là. Allez. Le gars, je savais que vous étiez en train de parler de ça. Mm-hmm. Ah, bah oui, en même temps. Ah, elle a goûté. Il n'y a pas de but pour le gars. Non. Non, j'aime pas du tout. Et bien voilà, ça y est, on a fini donc ce défi. Franchement. Faut avoir l'estomac bien accroché quand même parce que ça fait beaucoup de sucré, même si on fait juste un croc à chaque fois dans chaque truc, c'est beaucoup de sucré, beaucoup de ouais, beaucoup de saveur à la fois là, hein, limite. Donc du coup, bah écoutez, les filles, elles ont fini avec 8 points chacun et moi, j'ai réussi tous, voilà, 9. Donc ben voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, on va vous laisser, on vous fait des gros bisous sucrés et on vous dit à plus tard. Ciao.